viene fuori bravo. La question qui se pose, c'est le problème de l'État. Est-ce que l'endettement d'État est un élément de gauche ou de droite? Moi, je pense que c'est un élément de droite. De la même façon que les privatisations sont un élément de droite. L'État de droite a besoin d'être riche, même s'il est endetté. L'impression n'est pas là. Même s'il vend ses bijoux de famille, l'impression n'est pas là. La question, c'est qu'il a des moyens. Il se donne des moyens pour intervenir. Et donc, ce n'est pas les nationalisations qui lui permettent d'avoir des moyens. Effectivement, bien sûr, dans certaines mesures, oui. On pourrait dire, mais oui, s'il nationalise les services publics, ça lui donne des moyens. Mais, en fin de compte, la question que je pose, que je me pose, c'est que, en fin de compte, c'est plutôt à droite que l'État a besoin d'avoir des fonds pour intervenir, pour arbitrer au niveau de l'aménagement du territoire, entre les différentes communautés, entre les différentes régions, et que c'est à gauche que, au fond, au nom de ce que j'appellerais le dépérissement de l'État, selon la formule marxiste, communiste, à ce moment-là, l'État, puisqu'il arrive à une société, il pose la question d'une société égalitaire, donc où il y aura de moins en moins de conflits de classe, et par conséquent où l'État aura de moins en moins une raison d'être. C'est ça la théorie du dépérissement de l'État. Le fonds de l'État est fonction de la diminution de la lutte des classes et de la diversité sociale. Et en revanche, le renforcement de l'État serait lié à l'acceptation, à la gestion de la diversité. Des communautés, des groupes divers, etc. Et ça permet le ruissellement. Enrichir l'État ou enrichir une instance supérieure permet le ruissellement. Inversement, dans un État, dans un régime qui se veut plus égalitaire, qui tolère moins les différences, moins la diversité, moins le communautarisme, l'État n'a pas un rôle majeur à jouer. On va jouer sur le marché, sur la consommation, sur la relance keynésienne, quelque part conduit à quelque chose qui va du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Enfin, tout ça reste encore à étudier.